te na ba telespectateur ba kei na kolanda beto na ngonga yai na ngonga yai na diaspora mbote na ba telespectateur nyonso ya Congolais Television ba kei na kolanda beto na ngonga yai en République démocratique du Congo mbote na ba telespectateur nyonso ba kei na kolanda beto na ngonga yai na a lualaba na zope sape mbote na ba telespectateur nyonso ba kei na kolanda beto na ngonga yai na chopo tulobi matondo mingi na bande konyonso oyo baza lelo fidèle pe bal kanisike eza na malonga ebele baza la informe par Congo Live Television tulobi mbote bisika na bino place bisika nyonso bozali tulobi mbote pe bonne santé et pa i na bino tout en vous espéra na santé malamu toyeli susu ko kabela bino basango ya masolo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo, tous les toujours courageux, tous les toujours na tinawana, tous les toujours na courage ya koya kope sabino basango ya makambu manso mazo de kanakati ya mboka anabiso. Na mukolo mwalelo nazali Yusufu Kibingila David Yeyoboyebi ayaka wa mukolo nyoso pona kokabela bino masango basango ya makambo oyo mazoleka na kati ya mboka na biso nazali journaliste investigation oyo aza basé en République démocratique du Congo pona kobanda nazo kabela bandeko na biso nyoso ya FRDC mbote na bisika bozali bandeko bazalendo tozo kabela bango pe mbote na bisika bofandi bisika bozali bozo bunda puke munguna akoma na makoki ya kokaba mboka na biso te na pesi bino mbote ba mama ba papa ba kongole nyonso baza na ba diaspora baza na ba yeyo bazo fanda na kati ya mboka na biso tokabeli bino mbote epa ya bakonzi oyo bazo kumba République démocratique du Congo madame Souminwa José plutôt également Azali Banda mais quand même tozo pesa epe mbote mutu babengaka Joseph Kabila pourquoi to pesa mbote epa ya Félix Antoine Tshisekedi na batu nyonso oyo ya gouvernement Souminwa tozo yebisa bino ke défi ya mboka ezo zela bino ba plat eza ebele ba défi eza ebele ba problème eza ebele bino bozalaka na intérêt ya kolanda biso esengeli pe botiaka ba commentaire na bino pour que botiaka ba commentaire na bino wana esungaka ba konzi bayo kaka yao ba bengaka na kati ya français clamer à public nini oyo population ezolo ba nini oyo ezoyo kama kuna nini ezo mirmire na kati ya population c'est-à-dire solo lo bozo décider eloko atana diaspora bisika bozali kotiaka ba commentaire toujours donner des idées par rapport à ce que nous faisons puis to kanisi ke elongo to kosala eloko ya malonga pour que to booster mboka na biso et que ndepe libanda na lobaka yango avant to bandela ba information na biso ya lelo eke na ba mboka oyo bato esengeli bala za la district mboka na biso biso esengeli to za la district c'est-à-dire esengeli to za la musika ya distraction parce que nous avons encore beaucoup à réaliser esengeli to sala biloko ebele to za na ba balabala te tozana maite tozana kurate ba infrastructure kolobate ba problème eza ebele soin de santé vie ba congolais congolais zo vivre lelo par moins d'un dollar par jour congolais moko moins d'un dollar par jour d'après ba rapport na ba enquête ya batu oyo bazo sala biloko bomoni déjà que tozana nuna sima et que sengeli to mener ba effort ebele pour prouver à combien plus forte raison que nous pouvons aussi nous qualifier parmi les pays na mokili oyo ezape na makoki na mukolo mwalelo toko bandela lisa sango oyo ya EAC EAC ezalaki na sommet moko extraordinaire ndenge bazalaka na basommet na bango me ndenge boyebi lelo Congo eza na souvenir ya mabe na EAC zoke na zolo ba Congo je ne vois pas directement le gouvernement congolais. Je suis en train de voir la population congolaise oyo bengana ki EAC sur le sol congolais dans l'est de la République démocratique du Congo bayaki na cadre ya komona boni bakosala pour que bitumba esila pour que ba soutenir ba FRDC mais ils ont été accusés d'être de mèche avec l'ennemi ils ont été accusés de collaborer de coopérer avec la rébellion du M23 ainsi la population s'est décidée de le mettre à l'extérieur du pays. Alors, lobby, sommet moko ezalaki organisé. Parce que vous savez,
Bien que RC va miser sur Soudan na bango, mais jusqu'à présent, la République démocratique du Congo fait partie ya ba état membre ya RC. Alors, il a fallu aussi que la RDC participe dans ce sommet wana. Nini ekomaki? Scandale nini oyo ekomaki? Nini oyo ezalaki observé de la part de la République démocratique du Congo? Est-ce que Congo yango pe e participaki na makambo yango ndenge singelaki ezala? Est-ce que la République démocratique du Congo aussi est partie prendre part na sommet extraordinaire wana? Totanga elongo toyeba nini ezalaki problème? La République démocratique du Congo boude les sommets virtuels des dirigeants de l'EAC-RDC. Et c'est là qui sommet, c'est là qui virtuel. Selon les informations non encore confirmées par les officiers congolais, par les officiels congolais, Félix Tshisekedi se serait retiré de la réunion protestant. Ainsi, les propos tenus il y a quelque peu par le président William Ruto du Kenya sur la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. D'après tout ce que nous avions observé, to bandela wana na ba propos ya William Ruto, président otomonaki na bureau ovale bayambaki et Joe Biden. Ya lobaki le Rwanda ni de près ni de loin n'est pas concerné dans cette affaire de rébellion du M23. William Ruto, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est William Ruto qui l'avait déclaré. S'il gêne Afrique encore. Au-delà de ça, il a fait savoir que la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a Zala qui moko ya batu oyo, Zala qui n'a pas de processus, il y a. Ya, ce tokolo ba yakokutani ya kusala ke les deux nations, les deux états bakutan bayoka yepe au départ azalaki na mboka na ezalaki na kati ya bamboka oyo ya ba facilitateur bozoyoka ba akura ba Nairobi et tout le reste. William Ruto connaît un peu la situation oyo ya bitumba oyo avant tokoma musika. William Ruto qui va faire savoir sur Jeune Afrique que solution à Bitumba dans l'est du pays n'est pas la guerre, mais plutôt la diplomatie. Donc, attendre ça le Bitumba Nengenini, d'après lui, ça ne finira pas par prendre fin par cette guerre, par les armes, mais ça prendra fin plutôt par la diplomatie. On revient maintenant pour dire que la RDC participe aussi na sommet wana au extraordinaire au sommet na bango au ezalaki virtuel ya EAC. Mokonzi wa mboka a participé ki na ngote. Mokonzi wa mboka atiaki volonté, donc a manifesté qui volonté a koyoka makambo na bangote a budaki yango a participé qui te na kati ya réunion na bango wana. Il n'a pas participé, Félix Antoine Tshisekedi. Pendant ce temps, si vous demandez certaines personnes oyo bazobunda na batu ya M bazobunda contre les rebelles du M23, c'est-à-dire les Wazalendo, les FRDC, d'après certaines personnes, il semblerait que batu ya Kenya, ba militaire ya Kenya, bazo bunda jusqu'à présent à côté des rebelles du M23, c'est-à-dire bazonga ki, d'après certains analystes, na Kenya kobima na RDC, après bazongi na cadre ya ko soutenir Rwanda pour que bamona boni bakolonga. Mais jusqu'à présent, nous balongite. Et ainsi aujourd'hui, le Kenya est soupçonné d'être en collaboration avec le Rwanda contre la RDC. Kenya est fondé à Milelo. Kenya William Ruto. Que Ruto a soutenu les rebelles du M23. Ça, c'est du côté congolais. Oye balobi boy. Du côté à Kenya, balobi nini. Nous avions aussi observé ici, il y a quelques jours, ba député bazobele la likolo ya Ruto, William Ruto.
Balobite bango bakondimate. Elles ne peuvent pas accepter ça. Ils n'accepteront jamais cela. Pourquoi est-ce que William Ruto est en train d'envoyer leurs enfants bazo koufa koto na bitumba? Ah bon? Mais nous nous savons de notre côté que Bakenya bazonga kala. Bazonga kala et assez kenda kala. Mais comment ça se fait que les Kenyans battu à Kenya, ba député à Kenya, ba tuna bango kuna ba ebi ke bana na bango bazo koufa na kati ya bitumba koto? Ah! Donc bana na bango bazo tindama à côté à M23 pour que baya ko désinstabiliser est ya RDC. Et maintenant aujourd'hui, il y a même un problème à l'extérieur du pays vis-à-vis de la RDC que les coopérations ne fonctionnent plus bien depuis que Ruto est là. Et il y a maintenant un autre problème à l'interne face ya batuna bango oyo bazana kati na bango wana. Batuna bango bango pe bazo belela koloba ça ne va pas se faire. Ça ne va pas marcher comme ça. Et aussi, ma bongo te, pourquoi? Batuna bango. Bazo koufa dans l'est de la République démocratique du Congo. Yango wana makambo eza ebele. Yango wana makambo eza ebele. Makambo ya koloba. Likolo ya William Ruto. Makambo ya koyoka lelo. Likolo ya batu oyo. Bazo tia poa. Bazo supporter, baza ba manager ya rébellion ya M23 ba bandi komona na libanda. On pensait que ces gens étaient nos amis. On pensait que ces gens bazala ki ba frère na biso parce que ils sont venus avec leurs idées à kosunga biso. Ils sont venus avec mayele ya koloba ke abo. Denge salemi boe tika to sunga bino. Si tu maîtrises Kagame, tu es bien Kagame, ce qu'il fait, ce n'est pas beau. Ah bon, l'état que nous on pensait que Ruto devrait être là pour nous aider, pour faire montrer à Kagame que nous n'avons pas besoin, il y a combien de temps à Bissou. Et ça, la tinaté, que tout ça, la bitumba, Bissou na Bissou. Et ça, la tinaté, tout ça, la bitumba entre nous. Mais et ça, la tina, tout ça, la kimia entre nous. Et nous on pensait que William Ruto serait parmi les gens qui vont faire bien comprendre à Kagame cet enjeu. Zoka. Yende no konaye azotindaye. Yaza parmi batu oyo bazo encourage. Yaza parmi batu oyo bazo pese basoda bakeyi kosala bitumba. De même que l'Uganda, on pensait aussi que Uganda esengala ki esunga biso na bitumba nyonso zo salema. On a aussi offert une confiance à Uganda. Tonobite, bitumba zo salema au nord de la province du Nord Kivu, c'est-à-dire à Beni. On est en train de tuer les gens. On est en train de massacrer les gens. Mais tika to zo Uganda na no sunga biso. Ah, zoka Uganda pe eza lelo akize. Lelo Uganda pe eza akize. Et puis vous aviez entendu un certain temps que Félix Tshisekedi azo menacé de couper la collaboration militaire avec l'Uganda, de couper la collaboration nyoso na Uganda. Mais la plus grande question que les gens se demandent, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui certaines autorités congolaises ont du mal à parler Ouganda? Beaucoup estiment que c'est parce que beaucoup d'autorités congolaises vont investir dans Ouganda. Yango bakolo bela yango te. Mais Ouganda, d'après certaines sources, serait de mèche avec le M23, serait le sponsor principal des ADF dans la région Beni. Il faut signaler que depuis le départ de l'ancien président Uhuru Kenyatta du pouvoir, là on est au Kenya, les relations entre le Kenya et la RDC sont devenues fragiles. Fragiles, alors très fragiles. Et maintenant, ceux qui l'ont dit, ils ont dit que non, ils ont dit que non, ils ont confiance, ils ont dit importance et confiance en Athé. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons continuer à nous lamenter? Non! Là, je parle à l'endroit où Bakonzi oyo bazana moya ko décider likolo ya ba relation oyo tozana ngo na batuana. Nous devons couper des relations, estime certains Congolais. Et c'est ngel to couper ba relation. Yo personnellement l'obinine avec la situation dont nous affrontons aujourd'hui. Kenya, etikali déception, Uganda, etikali déception. Rwanda, Etikali agresseur, vous aujourd'hui, face à des relations comme ça, à ces pays qui sont tellement voisins à la République démocratique du Congo, yo, ozo proposer, nini.
Ozo proposé nini lelo na bakonzi ya RDC. Face à ces relations, qu'est-ce qu'il faut faire? Si souda ça, on n'en parle pas. Eza bisika oyo. Semaine ezala ki parce que boyebi président ya Sud Soudan lelo nde aza mokonzi président ya EAC. Donc makambo ezo salema ezakaka binonde boko yeba boni to kosala. C'est pourquoi j'ai dit. Il est important que les Congolais s'investissent na makambo ya mboka oyo. Ata bozo fanda na poto. Mais mboka oyo eza ya bino. Et personne ne doit prendre ce pays lokola monopole nae. Ce n'est pas un groupe de gens, ce n'est pas une famille de quelqu'un, ce n'est pas une famille politique, biologique, quoi que ce soit. Mais c'est un pays de tous les Congolais. Tous les Congolais doivent jouir des richesses de ce pays. Et ce n'est pas jouir na ma bomengo ya mboka oyo. Bomengo ya mabele ya mboka na bango. Baza la libanda ya mboka, baza la nakati ya mboka. Ce n'est pas seulement pour un groupe de gens, mais pour tous les Congolais. Alors une question revient. Yo zo sale la Congo nini. Voilà donc à cette première partie. Je tenais à vous signaler donc que le président de la République démocratique du Congo a boudé sommet Oyo ya EAC et puis a participé à Kinaye 2. Alors, on va finir par ici. Ceci sera la fin de cette émission. On finit par ici. Dossier Christian Malanga. Procès Christian Malanga. C'était le 19 mai. Coup d'état est rataki. Christian Malanga, putiste Zraki Mokonzi à troupe Mobimba. Il a été tué, lui et trois autres personnes. Ils ont été neutralisés. Et puis procès Nabango et Fungoloaki et Fungomaki lobby. Procès à charge à Batunyo Soana, Oeba Zouamaki et d'autres personnes. Procès Nabango et Bandaki Lobby, na prison militaire Oyo Yandolo, là nous sommes à Kinshasa. Il faut signaler que depuis le départ de l'ancien président, ça on en a fini déjà, on passe, on parle ici devant la barre. 53 présumés ont comparu ce vendredi 7 juin à la prison militaire d'Ndolo pour tentative de coup d'état. Ces présumés acteurs du coup d'état raté selon les HCM comparaissent pour cette infraction notamment attentat, terrorisme, détention illégale d'armes, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme. Yango wana makambo bazwaki ba jeune wana na biloko na bango nyonso ya tout ce que vous voyez là-bas et bazana biloko na bango nyonso ba arme ba drapeau oyo ya Zaïre oyo ba utilisaki oyo ba matisaki ndenge botalaki na ba vidéo ezalaki viral sur les réseaux sociaux makambo manso oyo isalemaki donc ba jeune bazo samba procès na bango e bandaki lobby ba renvoyer yango e kozala isusu le 14 juin ya mbula oyo c'est-à-dire Il y a semaine où tu bande les 14 et que ça la poursuite, il y a procès, poursuite, il y a audience. Et puis, et bien les analystes, les lots, sans mettre beaucoup de commentaires avant toi, la vérité, la 4e Makambo, va estimer que Esengeli, procès Wana, est à la politique T, mais est à la procès Moko, est à la équitable. Que ceux qui seront des innocents soient acquittés, que ceux qui seront des coupables soient à condamner. Donc, voilà. Un peu flash l'icolo, y a procès Oyo, et j'ai dénommé procès Malanga. Moi, je suis en Kati, na Batumosu sous 50 personnes, y compris 3 Américains, dont Batu Baza Nakati, y a Likambu Wana. Donc, justice. Denge Alobaki, ministre Lelo ya justice. Toko Senga, na Mokonzi Wamboka, Atiel Abiso, ministre ya justice. Oyo Azali ya Konyoloka. Heureusement, oyo basenga ki atia ministre ya ko atia oyo basenga ki atia ministre oyo kozala ya konyoloka aponi mutu oyo alobaki makambo wana pour que atia ewana amonisa boni ministre ya justice a kozala ya konyoloka. C'est-à-dire aujourd'hui dans la justice, la RDC ezozela yo makasi mokonzi ya justice. Oza
namlipa likolo ya planche. C'est-à-dire, vous avez dit pe sur la planche. Et sengeli ozala poser, étudier les enjeux, étudier les problèmes, trouver des solutions pour que l'histoire de la République, l'histoire du Congo connaisse qu'il y a un certain jeune oyo aleka na poste wana asala musala naye ndenge esengeli. Na ba ministre nyonso o bazali nomé. Message motuna na ngai ezali yangoyo. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo retiendra de vous après votre passage au sein du ministère wana? Vous voulez aussi que la République ne reconnaisse rien comme d'autres qui sont passés dans le poste na yowana? Qu'est-ce que la République retiendra de vous? C'est la fin de cette émission. Tolobi, matondo mingi na bayenyo so balanda ki biso na mokolo mwalelo. Na libandeli ya émission, tina suka émission na biso. Tolobi matondo, nazalaki wabino, Youssoufou Kibingi na David, journaliste d'investigation. Na baye balingi basunga biso, parce que tous appel na biso ya lisungi, pour que Moussala oyewe kende bien liboso. Pour que to kende liboso, bien na Moussala na biso. Boko rejoindre biso, sur le plus 243, 9. 93 46 71 93. Mbote et Panabino, bon week-end à vous, Nalinga Kina Loba, bon week-end à vous, bonne journée à vous, et puis tout le monde en a lundi oyo pour na basango na biso, Yasika.